Décidément, cette saison de l'amour est dans le pré 2024 réserve son lot de surprises. Ce lundi 11 novembre 2024, les téléspectateurs de M6 apprenaient une mauvaise nouvelle. Flavie, la jeune femme qui a conquis le cœur de Valentin, est atteinte d'un cancer. Ce n'est pas tout, Guillaume, pour qui Christophe a eu un véritable coup de foudre, a quitté la ferme en larmes après avoir appris que la famille de l'agriculteur ne l'appréciait pas. Et les rebondissements ne sont pas prêts de s'arrêter. En effet, dans l'épisode 14 de l'émission présentée par Karine Lemarchand du 18 novembre 2024, Ludovic, jeune viticulteur, prend une décision radicale suite à une discussion sérieuse avec sa mère. Alors que l'agriculteur semblait vivre le parfait amour avec la douce Mélanie, son séjour avec sa belle famille a fait naître en lui plusieurs doutes. Face au caméraman, la jeune femme déclare « Le sujet le plus important, c'est sa relation avec sa maman. J'ai un peu le rôle de la méchante qui va venir prendre Ludovic à sa mère. Elle ne le vit pas bien et je me suis fritée un petit peu parce que moi je lui ai dit « Il va falloir que tu me prouves que tu es prêt à prendre ton envol aussi. » Suite à ce petit coup de pression, Ludovic a choisi de rompre par téléphone avec Mélanie. On n'arrivait plus à communiquer ensemble, on ne se comprenait plus trop, j'étais dans l'obscurité, j'ai été maladroit peut-être, j'ai paniqué, j'ai fait n'importe quoi. Une décision qui a bien évidemment surpris la prétendante. Et si la mère de Ludovic a souhaité mettre les choses au clair avec son fils, c'est parce qu'elle préférait Manon, la seconde prétendante que son fils avait conviée à la ferme. À cela, le jeune viticulteur répond « Elle m'a dit ce qu'elle pensait. » Pour elle, Mélanie n'est pas une fille pour moi. Ça me rend triste. J'ai hésité à arrêter.